Wap saisi tan de sak pral passé États-Unis si Biden t'arrive président. Résultat élection États-Unis m'konnen se sa wap tan. Et se sa même map informé ou pou m'di ou ki jan sa ye nan moment. Président li même pas suspend fè dega. Misye pa jam passé yon moment sans le patrouté. Mais cette fois-ci, Abraham dit c'est assez. Li prend un gros soufflette dans mes médias dans États-Unis. Bagay la tellement grave, fòm di nou, gen moun ki choisiri, gen sa k'ap kriye, gen sa ki pè, gen sa ki ront tout. Est-ce que monsieur perdit tête li? Est-ce que c'est quelque bougie tout li met tête en bas des kay président? Li décontrôler tout bon vrai nan moment là et républicain yo vraiment débordé, yo vraiment ap saccagé États-Unis. Président Trump fait une déclaration qui saccage tout États-Unis. Et en pile l'autre pays, ouais ça c'est un honte pour États-Unis à cause des déclarations ça li fait pendant un live. Faut que m'di nou, les présidents t'ai annoncé li t'après live, toute nation t'ai déjà braqué Jésus li. Yo façon pour connait qui nouveau décision président prend et connait qui résultat élection yo. Mais bien compté mal calculé. Président seulement ouvri bouche li, li commencé di causer devel gonde, ça t'a fait tout média qui t'a bay live ça, t'es obligé couper. Ça c'est pas un gros honte mes amis. Et déclaration ça, faut me dire nous li gen gros conséquences sous président Donald Trump ak pays États-Unis. Question qu'a posé, c'est comment est ta santé monsieur en moment à cause des nouvelles élections yo. Ou pas ta reme konnen. Qui déclaration monsieur te fait? Qui média qui coupe live là tout suite là? Si Joe Biden t'arrive président, qui ça pral passer aux États-Unis? Et qui dernier résultat élection pour jodi a? C'est ça nous pral informer dans journal jodi a. Moi invité ou rete dans vidéo ça jusqu'à la fin. Bonjour, bonsoir fanatique. Qui j'ennuie mes amis. Merci en pile parce que vous abonné. Merci pour commentaire et grâce à vous, année ça pas fini sans pas prendre 200k. On continue abonner. Waouh, nous fait que me content oui. Aïe aïe aïe. Mwa, I love you so much. Ou connaissez élection kay tonton Sam? Bon, pour ni président, sénateur ak député, même Jean pa Borisit élection pour ni sénateur ni député ni président. C'est un moment qui vraiment crucial et ça vraiment intéressé toute nation sous la terre. Cause États-Unis c'est première puissance mondiale, si tout dans domaine militaire, science et la trier. Et ces pays tout femme dit nous qui foure bouche li dans tout ça qui a passé dans monde là. En bon créole nous t'es capable dit États-Unis c'est magi li dans toute sauce. Gen moun ki fè konnen kit Biden bon, kit Trump ta retourne bon, 31-21 même denye. A cause, sa pa pral reglan yen non pou peyi d'Haïti. Mais on fè yon tit ripotay ki pa deranje. Est-ce que on te konnen c'était Américain ki te retourne avec président Aristide? A chaque lè, pou élection présidentielle fèt nan peyi d'Haïti, et pas seulement ça tout resyo, c'est toujours même qui passe l'ordre pour dire mais qui l'est élection en doit faite. Et yon même fait connait c'était Américain qui te mette président Mateli oui. Et accusation ça yon forme dit nous, yon allé plus loin pour faire connait que président Mateli gagne double nationalité. Eh bien, ambassade américain te démenti ça sous place. Et jusqu'à présent, yon fait connait tout, c'est grâce avec Américain ou que le président Jovenel. Ou quoi c'est causé? Ça yon moutre nous clair que États-Unis pas jamais rete sans pas foure bouche li nan cause moun. Mais Donald Trump li même tellement fou pour cause élection ça, déclaration la fait yo, c'est des déclarations piment bouc qui fait tout moun rete men en bouche nan pays aux États-Unis ak yon paquet l'autre nation kap gade cause ya, qui même dit ka gen gros gain qui déclenché après élection ça nan pays aux États-Unis. Même sénateur républicain qui c'est Rick dans Pennsylvanie, monsieur dit non, ça c'est une honte. Ça nous pas ka tolérer cause yon président pas ka agir comme ça. Alors bon zo bagay. Ou pas imagine nos sénateurs sont sénateurs républicains oui,
qui t'a doué habillé président même ici lui-même li senti bagala son honte pour nation li relé en mouy ça pas doué fait mais est-ce que on te connaît majorité qui bé ak vénézuélien voter pour Trump et femme dit nous moun sa yo tout pas vle wè président Obama tout quand il était décidé rapprocher Cuba ak États-Unis mais nous haïtiens nous voulons Biden elle clèvre à cause la paix de nous dans question immigration et c'est ça elle te promettre les qu'elle te aller dans Miami dans moment campagne là plus passé 55,000 haïtiens qui vivent aux États-Unis sous TPS li promet yo que la paix de yo donc jusqu'à présent nous-mêmes nous pas garanti à 100% nous mais nous ka faire un petit crédit parce que li dit nous oui que l'a fait ça et pas oublier tout sous président Obama c'est lui-même qui t'est venu avec causer ça et laisse ça Joe Biden lui-même il était vice-président donc li ka toujours fait continuité ça président Obama t'est commencé faire dans sens ça tout haïtien yo pa wè l'autre monde yo pa tande yo pa wè c'est ba yo papa Biden ay allons papa Biden ça malgré papa Biden pi grand passé Trump mais nan moment en pile moun douté de état santé président à cause des déclarations l'a fait chaque jour président Donald Trump parce que ki jonte ka comprendre yon président campé li fait konnen élection an gen fraude pendant c'est li même k'ap dirije yon président ki sou pouvoir ou mes amis on fait yon bon logique ou pa wè se républicain yo ki ta doué nan fraude parce que c'est yo qui gen pouvoir et c'est yo qui organise élection et ça c'est un gros honte pour États-Unis parce que yo même qui c'est premier puissance mondiale et puis pour la kayo ta gen fraude dans élection et nous connaît depuis nos pays gen des ordres bagay yo pa ka marcher bien premier moun yo rele qui pou vinn mettre l'ordre dans des ordres c'est aux États-Unis ça veut dire c'est lui même qui fait la loi dans tout pays du monde. Là, m'pa kache dou, pays États-Unis vin a perdi légitimité. Nan ka sa, yo ta supposé mené misye nan yon sant sikatri pou konnen ki problème misye gen tout bon vrai. Parce que li pa facile nan aucun pays pou aktyèl président ap akize l'autre parti a kèl fè fraude ou bien la volé élection. Sa ki rive misye jodi a, c'est une leçon. Parce que femme dit nous pendant monsieur a fait un discours en pile moun a suivre li monsieur osé ouvri bouche li a raconter que élection a gè fraude ou est de respectant mes amis est-ce que ou est de causer elle fait qu'on est même Joe Biden volé élection dans plusieurs états rapidement NBC ak plusieurs autres médias te coupé live là donc ou est des problèmes. Ouf, what a shame. Donc, bagay sa son gros honte pour pays aux États-Unis. Et en pile moun continue à inquiéter sous président Trump parce que après élection ça, personne pa konnen ki sa pral passé. Et nous pa trouvé misye on ti jan dérangé à cause des déclarations la fait de jour en jour. Et ça qui grave, c'est que avant même élection yo t'es commencé, il était même fait déclaration ça si Biden arrivé président eh bien li bali 3 semaines misi a déjà mouri sous pouvoir bon quand président sorti avec déclaration ça est-ce que son père li déjà paré pour ou bien yon pokan ak tout fou mi jan nou te capable dire parce que situation vraiment critique dans pays aux États-Unis et déjà en pile média assuré que démocrate là a fait 270 voix grand électeur s'il remportait dans Pennsylvanie. Eh bien, c'est nouvelle ça oui qui choque Trump qui fait presque prend maladie folie dans Maison Blanche. Eh bien, femme dit nous, si c'est Trump qui arrivé représentant encore, eh bien, gain en pile chance pour pagé en pile de blousay nan pays aux États-Unis mais si c'est Biden qui arrivé président fòm di nou ka gen gros cause k passé nan pays aux États-Unis même Jean Alma été déclaré ka gen gros gèk levé nan pays aux États-Unis parce que
nous connaît qui Jean que républicain yo même yo réagi et moun sa yo le a réagi c'est un coup moun fou parce que si ou ka wè président a fait des déclarations sous propre pays ça veut dire que la craser légitimité pays ya. Donc et après élection qui ça ka passé et fòk nous pas oublier déclaration que Trump te fait c'est une déclaration qui si fort nous pas ka arrêter comme ça n'a pas garder bagay yo Jean il va passer là faut que nous réfléchis bien pour nous connaître après élection ça fini dans pays aux États-Unis qui ça qui pral fait donc moi même avec ou même nous ta souhaité tout bagay passer bien parce que nous besoin vivre parce que nous besoin vivre en tant que haïtien et si aux États-Unis gen problème c'est un coup c'est Haïti avec tout reste monde là qui gen problème un yo c'est puissance mondiale et deux majorité famille nous examen nous à vivre dans pays aux États-Unis donc c'est eux même qui supporte nous dans cas ça et si Biden doit arriver président la bon en pile pour nous parce que gen en pile là nous qui vivre aux États-Unis sous TPS nous ta remet légal dans pays à une façon pour nous capable fonctionner plus bien ha en pile moun après les vive papa Biden. De toute façon, toujours été connecté ensemble avec Chanel là, yon façon pour capable joindre toute dernière information sous cause élection nan États-Unis. Mwen remè nou en pile et merci d'esque ou pral partager vidéo ça. Fouko zanmi information n'ap croisé nan yon l'autre moment.